Salut les timbrés du FPV, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Dans la dernière vidéo, on a vu comment modifier une X-Lite qui est là pour lui rajouter une boucle sur la radio pour mettre un tour de cou. Comment la modifier pour adapter le crossfire dessus, et surtout on a rajouté une fonction de charge par le port USB. On va faire exactement pareil avec cette radio, la QX7. On va rajouter une fonction USB, on va rajouter une fonction de charge par le port USB. On va changer l'AQ qui est livré avec, qui est un AQ NIMH. On va remplacer par des batteries Li-ion qui tiennent plus longtemps parce qu'elles ont une plus grosse capacité et surtout qu'elles sont plus petites, donc on va gagner en poids, on va gagner en espace et en plus on va gagner en capacité, donc en autonomie, et puis surtout on va gagner en praticité, car avec le système de charge par USB, on n'a plus besoin de sortir la Q, de le charger, etc. Là tout simplement on branche notre prise USB et ça va charger les acculions et les équilibrer, et ça c'est vraiment cool. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que ça marche aussi quand la radio est allumée, c'est-à-dire que vous êtes en session, vous n'avez plus beaucoup de batterie dans la radio, il suffit de brancher une prise USB par alimentée avec un power bank par exemple, ça va charger la radio pendant qu'elle est en marche. Ça va alimenter aussi le crossfire si vous utilisez un crossfire, et ça va en même temps charger les accus et les équilibrer. Donc là vraiment on est au top de la praticité, on n'a plus besoin de se faire chier, juste on branche une prise USB et ça charge. Écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer à l'atelier tout de suite dans 3, 2, 1, maintenant. Alors, on va commencer donc à faire cette modification de la QX7. Alors, pour la petite histoire, j'ai acheté un Beta 75X au processeur de la radio qui est Rio de Luz FPV. Et cet enfoiré, cette petite enflure, il m'a arnaqué parce que la lipo, elle est à 60 ohms de résistance interne sur une cellule, l'autre est à 35 ou 37, je ne sais plus. Et le XM Plus, il ne marche pas. Impossible de le binder, que ce soit en FCC ou en UULBT. Donc là, bon, bah, j'ai sa radio hein, que je voulais modifier pour faire une petite vidéo de tuto. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je coupe tous les fils ou si je fais couler des grosses gouttes d'étain sur le circuit principal, sur la carte mère. Je sais pas. Il va falloir qu'on discute, Rio. Parce que là, je peux faire des conneries. Bon, un peu de sérieux. Alors, dans la QX7, à la base, on a des accus nickel cadmium, c'est du NIMH, je ne sais pas quoi ça correspond, du NIMH, en 2000 mA à 7,2 volts, donc du 2S. 2000 mA, là, c'est tout ça, là. Vous voyez là? Ok, en Li-ion, 2600 mAh, c'est ça. 2600 mAh en 2S. Donc en gros, il y a plus de capacité dans ces deux petits accus que dans ce gros truc tout pourri là. Donc on va virer ça. On va virer ceci et on va le remplacer par deux accus Li-ion. Et on va faire en sorte que quand on branche l'USB qui est là, eh bien ça charge et ça équilibre nos deux accus. Voilà, en gros, c'est ça l'opération d'aujourd'hui. Donc on va virer le crossfire. Et si j'ai pas trop la flemme, parce que je sais pas s'il le mérite, le Rio de Luz là, si j'ai pas trop la flemme, peut-être que je lui ferai le mod pour son crossfire, parce que pour l'instant il a pas fait le mod encore, donc il ne bénéficie pas de toute la puissance, putain de merde, du crossfire micro. Donc voilà, on va voir, je sais pas. D'abord je vais négocier, savoir comment ça se passe pour les batteries là. Pour la batterie encore, c'est pas très grave, mais comment ça se passe surtout pour l'XM Plus, parce que je peux même pas le tester le petit Beta 75X. Alors pourquoi j'ai acheté un Beta 75X? Vous allez me dire c'est pour l'hype, t'as un petit mouton, X, franchement, tu nous déçois. Alors, partiellement c'est pour la hype. Elles sont vissées comment c'est. Elles sont serrées de ouf ces vis. Oui, donc c'est partiellement pour la hype.
Mais c'est parce que j'ai un petit projet secret, à mon avis, qui va m'en faire kiffer et qui risque de faire un petit buzz sur la toile sans me vanter. Putain de merde, mais c'est quoi ce délire? Elles sont collées à la cyanure les 10 ou quoi? Oh putain, attends, parce que j'ai pas envie de bloquer les têtes de vis. Attendez. Et bref, ouais, donc j'ai pris un Beta 75X parce que j'ai un petit projet secret que vous allez kiffer et qui risque de faire un petit peu de buzz si j'arrive à aller jusqu'au bout. Ça va être cool. Nous sommes de retour dans cette fabuleuse aventure qu'est la modification de cette QX7, la bien nommée. Alors ce qui est cool déjà, c'est que pour la démonter, il n'y a que 4 vis à enlever. C'est pas comme sur la X9D où il y en a 15 000. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça s'ouvre simplement, alors que la X-Lite purée, pour la démonter, il n'y a que 2 vis, mais pour la déclipser, c'est un délire. La X9D, il y a des vis dans tous les sens, et celle-là, eh ben, c'est super simple. Mis à part que les vis étaient serrées à la clé à choc. Alors, donc on a notre USB qui est là, donc c'est là que je vais souder mon bordel. Alors par contre, il faut que je sois malin. Que je puisse identifier l'endroit. Hop. Ah, la fente est pas très grosse. Pour passer les pins là du crossfire. Il faut que j'identifie un peu l'endroit, les endroits où je vais pouvoir mettre mes composants. Donc, comme pour le mode de la X-Lite, on a le même module de charge USB Lyon. Voilà, on met du 5 volts en USB et ça sort du 8,4 volts pardon, pour charger un AQ 2S. Donc là, c'est du 2S 1P, mais ça pourrait marcher pour du 2S 2P si on avait la place de mettre 4 AQ dans la QX7. Mais malheureusement, non, 4 ça ne rentrera pas. Alors, si on met 4 AQ. 16650, je crois que c'est ça, hein, c'est des 16650 qui sont dans la X-Lite. Attendez, on va regarder ça. Ce que j'ai, ce sont des 2040 milliampères. Ah là, par contre, donc là, 2040, si on en met 4, on peut arriver à 4000 milliampères. Là, c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'on double. Le temps d'utilisation par rapport à la batterie d'origine. Voilà, donc on peut faire ça en faisant une petite batterie en 2S 2P. Ça peut être intéressant. Mais là, on va faire juste du 2S 1P avec des AQ 2600 mAh en 18650. Donc ça va être ici. Est-ce que j'ai la place de mettre par exemple? Ah bah oui, je peux mettre tout simplement mon système là, au milieu. On met la lipo là. Alors soit on achète il y a des espèces de supports là pour deux piles, enfin pour deux 18650. Ou sinon on imprime. Un petit truc, ou sinon tout simplement on met une cale des deux côtés, on ferme le couvercle et puis basta quoi. Mais en tout cas il y a la place de mettre le petit circuit là. Alors il est peut-être un petit peu trop large, donc on va faire ça tout de suite. Je vais le rendre un peu plus fin sur les côtés. Attendez, on vérifie bien hein, qu'on ne coupe pas le circuit. Mais normalement il y a du rap sur les côtés, comme je vous l'ai montré dans la vidéo du modding de la X-Lite. On peut couper sur le côté sans aucun problème. Là, on vérifie bien le chemin du circuit imprimé pour être sûr qu'on ne coupe pas le passage du courant, hein, qu'on n'abîme pas le circuit imprimé. Mais là, sur les côtés, il n'y a rien, donc on peut y aller gaiement. Il n'y a aucun souci. Voilà, on le rend un peu plus fin sur le côté. Allez, on coupe. Voilà, un truc plus dur que le reste ici ou quoi?
Voilà. Donc là, il sera ici. L'USB, comme on peut le voir, est juste en dessous. Et donc là, non, là, ça rentre, nickel. Nickel, nickel. Donc là, on est bon. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà virer cette grosse prise noire là, qui ne sert absolument à rien. Hop, on va prendre le fer à souder. Alors, est-ce que j'ai du scotch qui traîne pour éviter les projections? Juste un bout de scotch là pour protéger les projections, pardon. Je ne sais plus parler. Hop, et là maintenant on va dessouder de ce côté là. Alors, si jamais on n'arrive pas bien à dessouder cette pince là, des fois ça vaut le coup de rajouter un petit peu d'étain, ça aide à faire fondre l'étain plus vite et donc à retirer la prise plus facilement. Tout simplement, je chauffe et je tire la prise de l'autre côté là. Là, vous voyez, j'ai pas assez d'étain sur le milieu, du coup ça vient pas. Donc, hop, je rajoute de l'étain. Je fais fondre. On va même essayer de peut-être de faire fondre les deux en même temps. Voilà, on tire, on fait fondre les deux en même temps, on tire. Vous voyez, hop, ça c'est décollé. Il ne reste plus que la troisième à faire. Donc là, on va faire pareil, je rajoute de l'étain. Ça fond plus rapidement et je tire pendant que je chauffe. Un petit coup encore au milieu, un petit coup là, et voilà, c'est enlevé, nickel. Ça n'a pas giclé en plus, donc on a fait ça bien, c'est parfait. Voilà, donc on enlève ça. Celle du milieu, les extrémités, elles sont pas reliées, donc apparemment il n'y a pas de problème. Excusez-moi, j'ai des câbles partout. Hop, voilà. Donc là-dessus, on est bon. Alors maintenant, le truc un peu compliqué. Donc sur une prise micro USB, je sais, mais sur une prise mini USB, j'ai un doute. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, donc pour moi, normalement, le plus à l'extrémité et le moins est de ce côté. On va tester ça tout de suite. Fais gaffe à pas faire le court-circuit. Hein. Normalement, c'est un court-circuit. Le chargeur USB, lui, de toute façon, il coupe. C'est bien ça. On a le plus à droite et le moins à gauche. Ok. Alors, je vais étamer un petit peu là sur. Rajouter un peu d'étain pour pouvoir souder plus facilement. Donc à gauche, pardon, à droite, c'est le plus. On fait gaffe vraiment à pas faire de court-circuit avec la data, les prises pour la data. C'est minutieux un peu. Hein. Attendez, j'ai un peu trop d'étain sur mon fer. On va ajouter de l'étain. Pas de faux contact, donc on est bon. Ok, je vais prendre du fil et on va relier les deux USB. On a dit le moins, il est là. Je vais essayer de pas casser l'image avec ma tête ou avec mon ombre, mais c'est pas évident. Il faut quand même que je sois assez près pour pas faire de conneries.
et bien souder la chose. Quand même un peu minutieux. Non, un peu plus, il est bon. On va passer au moins maintenant. Là, je vérifie que surtout je touche pas de composants autour. Hein. C'est bon. Que je touche pas les soudures de fixation de la prise USB non plus. Voilà, donc là on est nickel. Pourtant j'ai utilisé des fils relativement gros, mais je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà. Vous voyez, les trois fils du milieu, ça va la data qui sont pas en contact avec ceux sur le côté, donc c'est nickel. Pour pas que ça bouge et pour éviter tout risque de faux contact, je vais mettre un petit coup de plastidip. Merde, ma bombe elle est bouchée ou quoi? Ah, ça c'est chiant, c'est sur plastidip des fois. Le. Je m'en suis pris plein la gueule. Des fois ça se bloque un peu. Là je plastidip un coup. Ouais, ça fait peur, comme ça on dirait que j'en ai mis beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça sèche. J'ai pas très bien visé au départ, c'est pour ça. Mais voilà, on en a bien sur la prise. Ouais, ça au moins je suis sûr que ça bouge pas. Donc, là, on a fait le plus compliqué, le plus chiant. Et on va poursuivre tout ça. Hop. Donc maintenant, on va remettre... ça. Alors, faut vraiment gaffe avec la QX7 parce que la fente là par laquelle passent les 5 petites pins là, elle est vraiment droite la fente, donc faut faire gaffe à pas les tordre, et quand on remet le capot, faut bien viser. Voilà. Faut pas faire de bêtises et les tordre. Bon après ça se redresse hein. Mais d'ailleurs j'ai fait une connerie, parce que, enfin une connerie, bien grand mot, mais le but c'est quand même de faire passer les câbles. Voilà, pas qu'ils soient, et pas qu'ils restent en dessous. Hop, voilà, voilà. Donc là on a, donc ça c'est notre USB out on va dire. Et on va donc souder le plus sur le plus, ici, et le moins bah sur le moins, logique. Je vais pas raccourcir les fils, je vais les garder longs comme ça, volontairement. On essaye de faire les soudures hein, pas au-dessus du circuit, comme ça, si jamais il y a une goutte qui tombe, bah, elle tombe pas sur le circuit, hein, ça évite de faire des conneries. Hop, voilà. Vous voyez, vraiment, c'est pas une modification qui est compliquée. Hein. C'est vraiment basique, basique. Donc le plus, bah sur le plus, hein, logique. Hop. Tac. Voilà. Ah merde, j'ai pas laissé l'étain refroidir, du coup ça s'est barré. Donc, je laisse l'étain refroidir. Voilà. Ok, donc là on est bon. Maintenant, ce qu'il faut qu'on branche en plus, c'est le BMS. Le Battery System Management. Non, Battery Management System. En gros, c'est ce qui va permettre d'équilibrer les deux accus. Donc, sur les BMS, on a plusieurs branchements, comme j'expliquais hier sur la vidéo ou avant-hier, enfin bref, il y a quelques jours sur la vidéo de la modification de la X-Lite. Le B+, B-, c'est là qu'on met le plus et le moins
de l'AQ complet en 2S. Plus et moins. BM, c'est là qu'on met l'équilibrage. Donc la connexion entre les deux éléments. Et P+, P-, c'est là qu'on met la sortie ici qui sera vers le chargeur. Ok ? Donc on va étamer ça déjà. Après, on va rajouter du fil et on va connecter tout ça. Voilà, hop. Hop. Voilà. B+ et B-. Oh, c'est bizarre les pads là. C'est plus facile à souder sur l'envers que sur, sur l'endroit. Curieux. Curieux tout ça. Ok, donc déjà on va rajouter des fils sur tout ça. Hop. Je dénude. Donc ça. Ici, là, c'est le batterie plus. Hop. Alors, le BMS, je ne sais pas encore comment je vais le mettre à l'intérieur. On pourrait le mettre par là. Je pense qu'après, je vais tout fixer avec du double face. Hein. On va pas se faire chier. Le BMS, je pense que je vais le mettre par ici. Donc là j'ai mon batterie plus. Pareil, hein, je garde de la marge. Ça sert à rien de faire un truc super serré. Ça c'est mon câble batterie plus. Hop. Il faut aussi que j'étame là l'entrée plus. Non, non, c'est la sortie de charge de mon chargeur USB. Qui est connecté au P+ du BMS. Tac, donc maintenant, je prends un fil plus, j'étame aussi, on va connecter donc la sortie du chargeur USB au P+ du BMS. Voilà. Dans les positions, tout ça. Oui, il est tombé là. Là. Ah, ça, ça m'égale. Tac. Attendez, c'est pas comme ça. Ok, donc ça, ça va aller sur le P+. Et ouais, je dénude avec les dents à l'ancienne, hein, excusez-moi. Je fais ça comme un tonton. Hop, et ça, ça va sur le P+. Sur le P-. Hop. Ça va sur le P+ du BMS. On va prendre un fil noir, hop. Donc là, on soude le B- sur la Q. Alors faites gaffe quand vous soudez sur les AQ, chauffez pas, enfin, restez pas sur la Q trop longtemps. Parce que c'est pour éviter de faire chauffer trop les lions. Hein, ça aime pas ça. La chimie à l'intérieur n'aime pas ça du tout. Hop. En fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, ce sont les fiches qui sont directement connectées à la batterie. Donc ça, ça va sur B+ et B-. Là, je me suis gouré tout à l'heure. Ça n'a rien à faire là. Là, sur le BMS, on a marqué B+ et B-. Batterie plus, batterie moins. C'est ça qui est directement connecté à la batterie.
Hop. J'ai fait tomber une vis de la radio, mais c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ok. Maintenant, ça faudra que je la raccourcisse. Excusez-moi. Maintenant, on va connecter le P1 maintenant. Voilà. Donc là, on va connecter le fil qui va aller sur le P- du BMS. Et il est connecté, lui, sur la sortie moins du chargeur USB. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va tout remettre en place, vérifier un peu tout ce qui est longueur de fil, etc. Pas non plus qu'il y en ait 3 km. Donc le BMS, lui, peut-être un petit peu long. Du coup, on va mettre la batterie dans l'autre sens. Voilà. Tac, tac. Et ça, ça va sur les P+, P-. Donc, là, ça suffit comme longueur. On dénude. Hop. Hop. On étame. Et on va connecter. Enfin, on va souder. Tellement bien se faire à souder. Je suis totalement amoureux de mon TS100. Hop. Et donc là, les fils qui partent du chargeur vont vers le BMS, le moins sur le P-. Et le plus, logiquement, sur le P+. Après, là, il va nous rester plus que l'équilibrage à connecter. Qui est marqué BM. Bon, écoutez, lui, j'ai pas d'autres couleurs de fil là, donc c'est un peu chiant. Ça aurait été bien qu'il soit d'une autre couleur. Ah si, ah ben voilà, j'ai un vieux câble. C'est le cas de le dire, il est vraiment vieux. On va le mettre en vert. Hop, je dénude. Et j'étame. Hop, voilà. Donc là, sur le BMS, il ne nous reste plus que la connexion notée BM. Voilà, ça va être le petit fil vert, là. Voilà. Magnifique. Qui va lui aller sur la connexion entre les deux accus. J'ai une petite languette qui est là, soudée dessus. Hop, voilà, et ça va être notre prise qui va s'occuper de l'équilibrage. Parfait. Ok, on va tout mettre en place maintenant. Donc on va voir nos accus qui sont comme ceci, notre chargeur qui va être là, et le BMS qu'on va mettre. Alors attendez, par contre, le seul truc qui est chiant, j'allais dire un peu chiant, mais non, qui est très chiant, c'est qu'il va falloir qu'on isole notre pack, parce que là, si jamais ça touche le BMS avec les deux trucs, ça va pas aimer. Ça va pas aimer, ça va faire des grosses étincelles. Alors attendez. On va éviter que ça parte en fumée. Bon, Louis, hein, je t'ai fait la modif, mais j'ai pas mâché non plus trop le travail. Parce que tu as quand même essayé de m'arnaquer avec ton bêta 75X. Donc je te laisse faire le truc proprement. Hein, si tu as de la gaine pour recouvrir les accus ou quoi, je te laisse t'en occuper. C'est pas Noël non plus, hein, voilà, donc bon,
Il va être gentil, mais c'est pas. Hein, bon. Non, mais je vous jure, je fais des modes aux gens qui essayent de m'arnaquer. C'est grave quand même. Je suis vraiment trop gentil, ça me perdra. Bon, c'est un peu le bordel dans les fils, mais. Attendez, ce fil-là, je vais le faire passer en dessous. Après, il faudra tout fixer avec du double face. Ou du dual lock, enfin, selon ce que vous avez. Hein. Me dis pas que ce fil il est trop court. Ah non, c'est pour ça. Voilà. En gros, mon montage sera comme ceci. Donc là, tout est en place. Petit test ultime. En gros, si ça charge, la petite LED rouge devrait s'allumer. On va brancher. USB. Si j'y arrive, c'est pas gagné. Et vous voyez que la petite LED rouge sur le chargeur s'est allumée. On va le refaire. Là, elle est éteinte. Et là, elle s'allume. Donc, ça charge bien. C'est nickel. J'ai oublié de faire un truc. Très important. Bon, déjà, ça charge. C'est une très bonne chose. J'ai pas de câble comme ça. Louis m'a dit qu'il en avait, donc écoutez, il ressoudra, hein, il mettra de la gaine. Voilà. Parce qu'il faut quand même connecter le système. À la radio. Sinon, hop, je dénude. On va étamer. On va sortir le système là. Donc on va pas brancher. Attendez. On pourrait brancher ces câbles-là directement sur les accus, mais on va pas le faire. On va respecter le schéma de protection et donc brancher ces deux câbles-là sur P+ et P- sur le BMS. Ok? Voilà. Le moins sur P-. Je viens de me brûler le doigt, ça pique, et le plus sur P+. Et je me suis brûlé le doigt encore une fois. Voilà, les gars, et à peine masochiste, je ne sais même plus parler. Voilà, donc là on est branché, là je peux foutre ça sur la QX7. Attendez, je ne sais pas de conneries, ça, hein, le moins, plus, ouais, de toute façon, c'est la prise qui est comme ça. Hein. Tac, 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 B+, B-, ouais. On est bon. Il n'y a pas de fumée, c'est bon signe. On remet tout en place. Bon, on a vu donc que ça chargeait bien. C'est déjà un bon début. Maintenant, on va voir. Si ça s'allume, bon, il faudra vraiment que je fixe ça bien à l'intérieur. Il n'y a pas de bruit de. Alerte Inter. C'est ton père, l'Inter, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est quel. Écoutez, tout est bon. Ben voilà, c'est nickel. Ah, donc là on est à 7,8 volts. On fait un test comme pour sur la X-Lite. Je branche, on va voir. Normalement, ça devrait augmenter doucement, mais sûrement. Ouais, joystick. Ouais, on est à 7,8, on monte à 7,9. 8 volts, 8 volts, pardon.
Donc ça charge bien. Voilà, c'est magnifique. On a modifié notre X-Lite. La radio devrait tenir plus longtemps parce qu'on est passé de 2000 mAh à 2600 mAh avec mes accus Lion. Voilà, donc on va gagner en autonomie et puis surtout on va gagner en praticité. Voilà, pour charger, il n'y a plus besoin de tout ouvrir ou quoi, on a juste à brancher un USB et ça marche même sur le terrain, même quand on est en train de voler, ça marche avec le Crossfire, enfin c'est nickel, ça rend vraiment la vie beaucoup plus pratique. Mais écoutez, je vais mettre du double face, fixer tout à l'intérieur pour pas que ça gigote et on va refermer la radio et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était relativement simple, hein. J'espère que mes explications ont été claires. Je vous mets dans la description les éléments que j'ai achetés et que j'ai utilisés pour faire ce mod. J'ai commencé à mettre, vous avez vu là dans les dernières vidéos, tout ce que j'utilise, mes configurations, etc. Ce sont des liens affiliés, en fait c'est pour m'aider un peu à soutenir la chaîne. Vous voyez que j'ai fait plein d'achats ces derniers temps, histoire de vous proposer du contenu un peu intéressant. Bon, financièrement, je vous avoue que non, c'est pas gratuit. Donc, un petit soutien, ça fait toujours plaisir. En tout cas, encore une fois, merci d'être aussi nombreux sur la chaîne. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à vos amis qui ont des QX7 et qui se demandent comment la rendre encore mieux qu'elle ne l'est. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, non, très important. Abonne-toi. Toi, là, qui squatte les vidéos, qui prend toutes les informations, là, qui suce ma connaissance et qui n'est pas abonné, ce n'est pas bien ce que tu fais. Alors, tu vas prendre ta petite souris et tu vas cliquer maintenant. Allez, tout de suite, je t'attends. Dépêche-toi parce qu'on va rester longtemps sinon. Allez, vite, tu t'abonnes, tu cliques. Voilà, merci. Et en plus, tu peux même cliquer sur la petite cloche là qui est au-dessus. Alors, attendez, c'est ma gauche, je sais plus, mais il y a une petite cloche là, comme ça, quand tu cliques dessus, à chaque fois que je sors une petite vidéo, eh ben, tu es au courant. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, tu cliques dessus, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos, de nouveaux modes, de nouvelles vidéos de vol et plein de nouveaux trucs. C'est génial. Allez, salut, moi, je m'en vais. Cool.